Mesdames et messieurs, bien le bonsoir, on se retrouve aujourd'hui le 19 novembre 2020 pour la course que beaucoup de gens attendent, Monza, le, le chaudron en Italie, Monza, ce circuit euh, très rapide, grosse aspiration, et je suis accompagné encore une fois de notre ami Saban. Saban, bonsoir. Salut, salut Joker, comment tu vas eh ben, Ça va et toi Est-ce que tu es content ah, qu'il y a Italie l'Italie là Mais... On ne peut plus content, hein. on ne peut plus content. J'attendais depuis je ne sais combien de temps cette course, bah depuis depuis plusieurs mois, hein. depuis la victoire de Gasly tout simplement. J'attendais de pouvoir commenter une course comme celle-ci, les amis. Et oui, la fameuse victoire de Gasly il y a un mois, deux mois, je ne sais plus, à peu près, qui nous avait fait tous euh, pleurer. Hein, on va le dire, hein. très très belle victoire. Un circuit comme je disais qui euh, nécessite beaucoup d'aspiration, très très beau circuit. On a encore une fois accompagné de Rob et Tatan et euh, stud you, yes Stude comme vous voulez l'appeler. Je suis là bien. les amis, je suis là, je suis là. Mais... Euh, il wow, a pas la cam. Très excité, non, non, tu verrais ma barbe, euh, il <laughs> demanderais de la couper. Mais en tout cas, très très content d'être en Italie, on a bien mangé ce midi, c'était plutôt cool. Et là-bas, le il confinement, et ils ne connaissent pas trop, donc c'est cool. Non, pas trop. En tout cas, euh, oui, une très belle course qui nous attend ce soir, avec des gros pilotes encore une fois, euh, qui sont présents, et certains retours aussi. Euh, je ne sais pas si on peut afficher la liste éventuellement. La voilà, donc euh, Johan, Giggs, euh, Skyzy, Simus Park, Chris Bell, Joker, F1 Simutomi, Maxime, Mentaliste Louis, G Gilalo, Maeligno, Cyril Scrat, El Jacob et Top Danel, avec certains nouveaux d'ailleurs, avec certains nouveaux, donc euh, Tom Danel, euh, Cyril Scrat et je n'ai plus tous les nouveaux, tu peux les dire peut-être si tu les connais tous les nouveaux euh, Saban alors, euh, bah, parmi les nouveaux, on a surtout des, des, des gens qui reviennent, hein, comme euh, aussi Skyzy qui qui n'était oui. pas là au dernier, au dernier Grand Prix. Et euh, après, parmi les, les, les nouveaux qui, qui pourraient y avoir euh, ce soir, ligno pour euh, la Louvière. Et euh, je crois que voilà, c'est c'est nos, nos trois petits nouveaux pour, euh, pour la soirée. Hein. Désolé si j'en oublie, mais j'ai pas l'impression d'en oublier euh, un seul. Non, c'est bon, on est bon. On est non, bon. Est bah, trois, voilà, nouveaux oui, est trois nouveaux et un retour. c'est et euh, pour cette avant-course, on a la chance, l'honneur que dis-je, d'accueillir un pilote qui nous avait tenu en haleine pendant une dizaine de tours sur Monaco, c'est Giggs, bonsoir Giggs Tiens, 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 ça va ou quoi Eh ben ça va et toi Salut, salut ouais, Je pas la cam' mais moi je me suis rasé en tout cas, donc euh... <laughs> je vais laisser Staban faire son interview habituelle des pilotes qu'il nous fait depuis quelques semaines. À toi Staban oui, yes. donc Giggs, déjà, félicitations hein, pour, euh, pour Monaco d'avoir euh, su garder la place euh, sur le podium. Bah, tout simplement, je pense que Monza, tu connais quand même pas mal. Euh, tes, tes, tes concurrents, tu les connais aussi pas mal. Est-ce qu'il y en a deux, trois euh, dont tu te méfies un petit peu plus euh, bah, Du coup, merci pour euh, ce qui s'est passé à Monaco. Moi, j'espérais mieux, mais ce n'est pas, pas très, très grave. On, on prend toujours un podium, ça fait plaisir. Trois courses, euh, trois podiums. Et pour l'Italie, ouais, c'est un circuit euh, que tout le monde connaît un petit peu comme euh, l'Autriche. Et il rentre beaucoup plus facilement que d'autres parce que voilà, c'est beaucoup de lignes droites, beaucoup de phases euh, en pleine vitesse. Donc voilà, les virages, euh, ça, ça, ça s'assimile assez rapidement. Et au niveau des pilotes euh, qu'il faut se méfier euh, ce soir, bah, c'est le haut du tableau. Il voilà, y, y a Skyzy qui est très en forme, euh, notamment dans d'autres championnats. On a Johan aussi qui, qui représente très bien la France à la OR en catégorie Rennes sur PS4. On a également Louis, on a plein d'autres pilotes. Et j'en connais énormément, puisqu'il y en a beaucoup avec qui je, je m'entraîne assez, assez souvent. Donc euh, ouais, je vois qu'il y en a quelques-uns qui vont te donner du, du fil à retordre. Euh, après, bon toi, tu es donc pilote chez Estudiantes. Tu es un des seuls pilotes aussi à avoir fait les, toutes les courses depuis le début de eSport FA euh, Formula One Motor euh, Sport Simuracing. Il faut dire tous les noms, hein, tous les uns après les autres. Hein. <laughs> enfin, comme ça, on est sûr et certain qu'on ne se plante pas. Euh, et euh, ce que je voulais dire par-dessus euh, tout, c'est ce soir, est-ce que. Tu vas chercher ta première victoire ou est-ce que tu vas préférer plutôt rester placé euh, histoire de justement assurer au niveau du championnat des pilotes euh, Ouais, je pense que ce soir je vais assurer le coup parce que mes deux dernières courses, euh, toutes compétitions confondues, elles ne se sont pas très très bien passées. Euh, là, ça va un petit peu mieux euh, donc euh, je pense que ouais, je vais essayer d'assurer peut-être des bons points, un podium, je pense, faire le, le 4 à la suite, ça pourrait être intéressant. À quatre podiums d'affilée, c'est vrai que ce serait vraiment sympathique, hein, surtout quand on voit euh, les absents de renom. On vous a montré la liste, les absents de renom. Pourquoi je dis les Surtout que on peut parler d'un seul absent de renom, hein. tout simplement. C'est le leader du championnat. Ah là là, William, William de la Orks qui sera remplacé du coup par, par Johan, Johan qui a fait la première course chez Wanted et qui va cette fois-ci euh, concourir pour la Orks euh, T'as une belle carte à jouer, Guiz, hein, ce soir, hein, quand même. On le sait, tu le sais. Euh, est-ce que tu vas opter pour euh, justement une stratégie euh... Enfin, est-ce que tu as déjà en tête ta stratégie On a vu le nombre de voitures de sécurité qui pourrait y avoir, un peu l'écart de niveau qui est susceptible d'y avoir également depuis euh, cette première euh, saison eSport f Donc, est-ce que tu vas modifier ta, ta stratégie par rapport à une course de Monza normale euh, Je pense pas forcément. Euh... Changer ma stratégie tout simplement parce qu'ici, l'usure des pneus est, est assez... elle assez, euh, donne la permission de, de rester sur la même stratégie. Donc, s'il y a une safety car euh, autour tour 2, je ne vais pas rentrer au stand. Mm. S'il y en a une euh, au tour 8, là, peut-être que je rentrerai parce que c'est vers là à peu près qu'on rentre au stand. Et il faut faire attention aussi euh, à l'undercut. Après, voilà, s'il y a une safety car peut-être euh, au tour 20, peut-être que là, on peut hésiter à aller mettre des softs. Mais il faut voir si, si ça en vaut la chandelle si tu es premier, deuxième ou troisième je, je prendrai pas trop trop le risque. Mais à, à voir après il, il faut voir un petit peu l'état de la course et dans quel train on se retrouve sur le, le circuit. Et à ça on rappelle il reste deux courses celle de ce soir en Italie et dans deux semaines sera la dernière course de cette Q1 euh, en formule 1. On te souhaite tout simplement euh, d'engranger les points de Faire une bonne opération si quelqu'un avait une question en plus à poser à Giggs, il est le bienvenu. En attendant, ouais, moi j'en avais une potentiellement. Euh, quel serait le, le pilote là aujourd'hui qui te fait le plus peur? Tu dois en citer qu'un. Ok, Bon, ouais, j'ai pas, pas peur parce qu'honnêtement, on se connaît tous. Ah, euh... Ouais, non, j'ai pas peur, mais vas-y, je vais dire celui que je pense qui va gagner aujourd'hui. Euh, je, je, je pourrais mettre tout mon argent de mon compte bancaire. Je dirais que c'est Johan. Euh, <laughs> ok. <rire> ok non bah oui bah, c'était logique de toute façon mais ouais d'accord bah, merci à toi Geeks <laughs> pas de problème ça les bonne course on te merci. laisse euh, prendre euh, place dans le paddock pour euh, la séance euh, la séance de qualification hein, ça va être déterminant on va, on va tout de suite mettre euh... justement euh, le, 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 la carte de la course de Monza on le voit secteur 1 secteur 2 secteur 3 que va nous détailler un petit peu joker donc, euh, grande ligne droite hein, qu'on connaît tous avec cette chicane euh, destructrice. Premier secteur, on arrive sur la curve avec une autre ligne droite avant une nouvelle euh, chicane pour arriver sur euh, les Lesmo. Et euh, après, euh, c'est. Euh, comment elle s'appelle Astralie la l'Astralie euh, qui va dérouler sur la ligne droite et la Parabolique avant de revenir sur la ligne droite un circuit euh, pas si long que ça euh, plutôt rapide, euh, très très rapide qui joue beaucoup sur l'aspiration donc euh, comme on peut le voir en vrai je pense que l'aspiration va être très très importante sur ce Grand Prix et peut-être sur les qualifs euh, avoir un très beau circuit je ne sais pas si euh, il est le moment il est le temps de, de mettre peut-être le résumé de ce qui s'est passé euh, à Monaco, Monaco Ouais, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Hein. Justement, on va, on va lancer justement le, le, le résumé du Grand Prix de Monaco qui était il y a deux semaines, heure pour heure, avec bien sûr bien moins de vitesse et bien moins de place sur la piste. C'est ça. Et c'est parti On voit que... Simulian conserve pour l'instant sa première position. Les pilotes, il y a eu un dépassement. Matt et VD Blade ont perdu beaucoup de positions. Est-ce qu'il y a Sparks. eu une collision Je ne sais pas du tout. J'arrive pas à voir. Je pense pas qu'il y ait eu de grosse collision. Il y a tout le monde reste dans des écarts à peu près, un euh, peu près semblables. Quelqu'un qui a perdu un sacré bout d'aileron Voilà pourquoi il y a une voiture de sécurité vitrée. Qui nous fait mentir tout de suite. Qui nous fait mentir. Une voiture de sécurité C'est ce que je disais tout à l'heure en fait. Euh, là. La voiture, de sécuri... la voiture de sécurité virtuelle sort, pourquoi Parce que la voiture n'est pas KO, c'est juste son aileron et il doit y avoir des débris sur la, pluie, sur la piste, donc il n'y a pas de nécessité de sortir euh, donc, la grue. Monstro qui être... quitte la session, malheureusement, qui a le FCQ3, hein, bien sûr, tout de suite après, ne le ratez pas, on va le retrouver plus tard, et une voiture de sécurité virtuelle. Et ils sont, comme vous pouvez le voir, encore 13. C'est-à-dire sont... qu'il y a plusieurs pilotes qui vont devoir aller au stand en même temps et la voiture de sécurité. La voiture dit, de sécurité. Là, c'est la vraie voiture de sécurité. spawn qui a dû se planter encore euh, une fois dans le secteur 2 ou 3 et du coup qui a dû casser sa roue. Donc... Et qui fait les affaires de gigs Parce que personne, aucun des 5 premiers, n'a pu aller dans les voilà stands. Voilà, tout le monde qui va rentrer. Là, ça va être la foire au stand. Ça va être la foire. On va voir si certains pilotes sont exactement dans, dans, dans les mêmes stands. Non, on ne va pas le voir malheureusement. On le remarquera bien assez, bien assez vite. C'est Bruno. Bruno qui. Ah, si, il est rentré au stand quand même. Il est rentré au stand quand même. Ça serait du suicide. Ce serait du suicide complètement. Et, et, et voilà, et voilà, c'est Tommy. C'est pas qui, qui s'est fait avoir. Ah, Giggs. qui est passé devant Oui, Ah non, non, non. Non, et non, non, non. 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 Simon qui arrive à, à rester Donc, devant il Giggs. Il avec cette là, mais du coup, il se retrouve e Il a dû, euh, il a dû casser son aileron Voiture de sécurité virtuelle. Que s'est-il passé Qui a fait un contact On voit plusieurs. Ouh là, là il y a dû en voir encore un sacré contact. Et on voit Général, Général Gobert. Aïe, 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 Général Gobert qui abandonne. C'est le troisième abandon de cette course, les amis. Giggs perd du temps encore une fois sur William. Il y a 2 secondes 5 maintenant. C'est assez... Assez... assez gros. Deux secondes 6. On voit que Johan est toujours derrière lui. Hein, Et il est dans. Alors là, je pense que Johan va en profiter. Il prend l'extérieur. Giggs qui défend l'intérieur. Johan qui passe pour l'instant. Et ça passe ouais, pour voilà. Très bien géré, très bien géré de la part de Johan. Gigs qui relâche un petit peu. Il sait que là, euh, le rythme est un peu plus euh, est un peu plus haut. Alors qu'on a un drapeau jaune dans le secteur 2. Le secteur 2. Il a dû avoir un petit contact, un petit contact. Et je ne n'arrive pas à voir qui c'est. Je crois que c'est des si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Alonso qui l'a dépassé voilà. d'ailleurs. C'est blade et il abandonne. Il abandonne des blades qui abandonne. donc du coup, il n'y a pas de euh, pilote peu. qui vont être fatigués. En tout cas, Chris Bell va pouvoir remonter sur Jacob s'il continue à garder ce rythme là. On voit que Bruno arrive très dangereusement sur Giggs depuis tout à l'heure. Il le rattrape. On voit que Johan aussi Johan commence à bien remonter sur William ouais, qui a gagné William, une euh... seconde là sur ses derniers tours, tout à fait. Giggs, et Bruno, Bruno a moins d'une seconde clair, hein, de Giggs. Drapeau jaune et il y a un abandon encore. Il y a un abandon, c'est Matt. Matt qui a abandonné. Matt et qui a abandonné. Matt qui abandonne. Joker Matt de nouveau, c'est pas la première fois que Matt va être à la porte des points. Ça va être très compliqué Bruno qui va tout donner. Secteur 3, drapeau jaune et je pense que c'est notre ami Alonso. Je pense que c'est notre ami Alonso, je le vois perdre pas mal de temps et qui s'était stabilisé à 49 secondes. Et Joker fin de session, fin de session pour Joker mais bon, il aura assuré ah, les ah points. Bah les deux ont bien négocié leur virage, on le voit toujours à 5 dixièmes, là il va repasser en dessous des 5 voilà. dixièmes et on voit la victoire de William. William qui vient de remporter ce grand prix. Johan qui va le suivre. Et là, les troisièmes, les troisièmes. Il est à 3 dixièmes, 4 dixièmes là. Il ressort. Il ressort pas trop mal. Il est à 4 dixièmes, trois dixièmes. C'est peut-être ah, peut le moment. C'est peut-être le moment pour Bruno. Et non, c'est Sur Je la risque. ligne d'arrivée. Et nous revoilà. Euh, je tiens tout d'abord à remercier euh, les follow, euh, donc Ace, O'Felps, euh, Kev9K, 7K4 et Randy. Merci pour les follow, les gars. Bienvenue à vous et bienvenue à tous. Euh, Rebienvenue. Donc on va euh, après ce beau résumé de cette course hein, qui nous avait tenu en haleine avec plusieurs batailles, etc. On va vous remettre la carte du circuit du coup de ce soir. Donc Monza avec euh, ces trois secteurs relativement différents. On voit deux zones DRS euh, de détection. Le speed trap à la fin euh, de la grande ligne droite des stands. Et là, on va partir sur le tour embarqué. Le tour embarqué avec une Ferrari, bien sûr. Quoi d'autre Donc cette grande ligne droite des stands qui va se finir par une chicane. Le speed trap est juste avant la chicane. Qui va se finir par une chicane destructrice. Hein. Euh, souvent, premier tour, il euh, y a souvent des contacts. C'est assez dur. Petite chicane. Tac. On part en deuxième. On passe la 3. On arrive sur la curve. Et là, c'est un long droite très rapide qui se passe bien sûr à fond. On essaie de garder l'intérieur. On arrive sur une autre petite chicane. Un petit pif-paf, un petit gauche-droite. Hop, avec des gros vibreurs, il faut faire attention. Là, on arrive sur les deux Lesmos. Bientôt, on va arriver sur les deux Lesmos. Tac, le. Deuxième, et là nous avons la première zone DRS, détection qui était juste un peu avant. Activation ici. Ligne droite, on arrive sur la variante Ascari. Donc gauche-droite-gauche -gauche, euh, très rapide et il faut faire bien attention quand on monte sur les vibreurs parce que c'est très facile de partir ici. Ici, la deuxième grande ligne droite du circuit qui finit par une parabolique. On a un moment, on s'en souvient tous, ce fameux. Et donc le long droite... La parabolique et on arrive une nouvelle fois sur la ligne droite avec la détection qui était juste là et le DRS juste après la ligne droite. Oui, hein, c'était justement cette parabolique, ce souvenir mémorable, mémorable, hein, le le coup du serpent de Simon Pagenaud. Et franchement, je ne sais pas pour toi, mais moi, ce qui me ce qui me fait le plus plaisir, c'est qu'en plus de la performance qu'il y a eu, hein, pour, on, va, on va vite fait aller sur euh, l'IRL, la performance qu'il y a eu sur la piste a été aussi doublée par une performance euh, magnifique dans le, dans le cast, hein, dans le commentary. Ça faisait très longtemps qu'on ne m'a pas fait vibrer justement sur du commentaire. Et là, tu as ce sens le que c'était impressionné. Euh, bien sûr, le, le moment n'aurait pas été aussi épique s'il n'y avait pas eu les commentaires, les commentaires de Julien Febro derrière qui étaient complètement à fond. Bien sûr, ça, euh, de toute façon, pour tout grand moment dans le sport, il y a toujours quelqu'un qui le fait vivre derrière. On, on se rappelle euh, des Thierry Gilardi, euh, des... des euh, pff, bah, les, comment, tous les grands commencés. Euh, ah, euh, oui, bien sûr. Les Jeux Olympiques. Il mmh, y en a toujours eu, bien sûr, euh, que ce soit français ou... Ou même euh, ou même euh, étranger européen international, il y a toujours quelqu'un pour accompagner des grands 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 grands, grands euh, exploits, des grands événements. Et là, oui, bien sûr que c'est quelque chose, euh, c'est quelque chose qui va rester, notamment pour les commentaires. J'ai hâte de voir la prochaine saison de Netflix qui va retracer cette saison. Je, je peux vous parier qu'au moment de la victoire de Gasly, il y aura les commentaires de, de Fébro C'est sûr. Ah, ça c'est euh... sûr et certain. Donc, euh, en tout cas, la course qui va bientôt démarrer. Mais euh, salut, Joker. Mes amis. Salut, Louis. Ah, mon Alors, mon Vite fait, vite fait. Info, les amis, moi Joker. Hein. Juste pour info, ouais. les amis, des, des nouvelles du paddock, ils sont tous dans leur, dans leur, dans leur box, sauf euh, Tom Danel qui euh, bah, découvre un petit peu les locaux. Et donc, il s'est un petit peu paumé. Mais voilà, il vient de m'envoyer euh, une demande au niveau du badge. Et euh, je vais le laisser rentrer. Et je vais l'inviter. Voilà. Et sinon, après, dès que Tom est là, tout le monde sera euh, en place. Notre videur, euh, qui est là hein Ne, ne l'oubliez pas. Vidéo, toujours <rire> <rire> Magnifique. Il, est, il est, là, même s'il n'a pas sa cam. Il est toujours là et il sera toujours là pendant la course aussi pour euh, ces petites infos croustillantes. Notre Julien, notre envoyé spécial pour ce Grand Prix. C'est dommage que tu n'aies pas ta petite caméra embarquée. Tu veux pas mettre une petite GoPro pour la prochaine, Julien euh, Je vais me mettre. C'est là la, la, la beauté quand même du, euh, du digital. Je serai sur les ailerons de quelques-uns des pilotes. D'accord, très bien. <laughs> bien. Ça y est, elle est voilà, arrivée euh... arrivé sous les hurrahs de la foule. Hein. Le public t'y Alléluia un coup de Alléluia. Voilà, c'est ce qu'on attendait. Alors, petite précision hein, pour euh, PrimoFut34 qui nous demande quand est-ce qu'il y aura des tournois à Warzone sur eSportFA. Alors, sache que ce sera sûrement le, le, le week-end, hein, dans, dans une activité week-end. Euh, voilà, n'hésite pas hein, à, à poster un petit peu ton ressenti, ton envie. Et euh, après, de toute façon, tout le staff eSportFA fera un recensement s'il y a du monde qui sera susceptible de venir vous accompagner pour euh, cette activité week-end. Euh, MNT Louis qui nous dit Monaco Tom Danel est rapide, avec un petit smiley qui pleure. Ça se sent que voilà, il a, dû, il a dû en manger du Tom Danel. Ça nous donne justement envie pour une très très belle course avec euh, des pilotes de plus en plus confirmés, mon cher Joker. Ah oui, bah oui, de plus en plus de challenges. On le disait déjà la semaine dernière, euh, il y a deux semaines, pardon. On le disait déjà il y a deux semaines que euh, il y a de plus en plus de pilotes qui viennent et qui ont un très gros niveau. Et là, ça se confirme encore. Euh, à voir si bien sûr il va confirmer parce que c'est bien beau d'avoir un bon niveau en pratique ou même dans des courses standards, mais dans un championnat avec la pression, avec tout ce qui peut arriver, c'est là que les pilotes se confirment et on va le voir ce soir encore une fois euh, si. Euh si ça va se confirmer, la, 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 il y a deux semaines on disait que Johan avait un très bon niveau et qui, que des pilotes le redoutaient un peu, etc. Il a confirmé. A voir si euh, Tom Daniel va confirmer à son tour, mais euh, je pense que ça va être une belle course parce que c'est toujours un circuit euh, vachement aimé par les pilotes et euh, c'est un circuit important. C'est c'est le berceau, c'est le berceau. Donc euh, on va voir. J'espère qu'on aura une belle course, j'espère justement à cette course qui va démarrer incessamment sous peu. Vous l'avez entendu, notre cher Yu, qui disait que, de toute façon, les pilotes ont tous atteint leur box. Ils sont tous en train de rentrer dans leur monoplace. Ils sont... de doigts, ils, ils en peuvent plus. Ah, ils n'en peuvent plus, ils sont chauds patate. vous pouvez me croire. Vous avez entendu l'interview justement de Geeks. Juste avant, c'était Johan qu'on avait il y a deux semaines. Ils se connaissent, ils savent à quel point leurs adversaires sont forts vont tout faire justement pour, euh, pour, euh, bah, pour les battre hein, pour euh, tout donner et chercher cette victoire voir ce podium ce qui leur permettrait d'engranger des points au championnat on a les classements justement de les classements des, des différents championnats en attendant enfin des différents championnats on a constructeur et on a euh, pilote, il me mmh. semble comme ça on pourrait les, les, les montrer vite fait voilà parfait et on voit que Simi William est en tête pour l'instant avec 62 points. Guise qui le talonne à 48 points. Elle Jacob à 43 points. Skyzy à 34 points qui a une course en moins. Qui a une course en moins, malheureusement. On voit Sibuspar qui le suit avec 20 points. Ensuite, c'est Johan 18 points. Tommy 16 points. Bruno 12 points. Chris Bell 11. Euh, Antoine 9. Euh, Logo, le Gol Mexicain, 8, qui n'est pas là ce soir d'ailleurs. Louis 6. LCS 6, qui n'est pas là ce soir. Aussi Brian 4 et Monstro 2. Il y a plusieurs pilotes qui sont dans le classement qui euh, ne sont pas là. C'est l'occasion pour les pilotes de ce soir de pouvoir revenir sur eux, voir les dépasser. Mais on voit que c'est quand même plutôt serré. Simu Williams s'est un petit peu échappé, 14 points d'avance. Mais ça reste très, 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 très serré quand même euh, sur. Euh... Sur ce, sur ce classement, on peut le voir, hein. donc 5 points qui séparent euh, Giggs et Jacob. Euh, on voit 9 points qui séparent euh, Skyzy. Et après, là, 14 points, etc. etc. Le bata La bataille du milieu de tableau va être assez serrée, je pense. Et encore ce soir, je pense. Et William, qui n'est pas là, justement, ce soir. Mmh. William, qui n'est pas là ce soir, Giggs, qui a une très, très bonne opération à faire. Elle, Jacob également. Les deux pilotes, même euh, Mister Skyzy, hein, qui peuvent euh, tout simplement gagner au moins. Place si il se débrouille bien, enfin peut-être pas Mister Skyzy. Mister Skyzy sera plus pour justement accrocher ce, ce, ce wagon. Hein, lui pour qui a raté Monaco et qui s'est fait remplacer par euh, Bruno FA 14. Mais non, non, pas oui, d'inquiétude là-dessus. Euh, va falloir se rattraper étant donné qu'il a loupé une course. Euh, C'est l'occasion ce soir de se rattraper et de réduire son écart avec William qui n'est pas là, comme tu le disais. Et pour Giggs, grosse carte à jouer si euh, il venait à, à gagner ou faire deuxième ou autre dépasser William. Euh, il faut profiter euh, de ces moments. Et euh, là, il y a plusieurs pilotes qui ont pas mal de cartes. À...